Et descendant, la victoire est imminente. Regardez, c'est le Ranger doré. J'en connais qui vont être bientôt dorés à point. Vous avez vu comme il les a assaisonnés? Merci, mon vieux. Pas de problème. Attends, non, ne t'en va pas. Qu'est-ce qu'il leur prend, ces idiotes? Depuis 15 jours, ils n'arrêtent pas de lancer des attaques éclairs et de disparaître. Je n'y comprends rien. Même avec l'aide du Ranger doré, ça peut pas continuer comme ça. C'est vrai, je suis si fatiguée que j'ai du mal à tenir debout. Ouais. Mon plan qui consiste à les accabler de fatigue marche à la perfection. Ils seront bientôt si épuisés qu'ils ne pourront même plus se battre. C'est le moment de créer un nouveau monstre. Oh, c'est pas vrai, c'est à peine si je peux ouvrir les yeux. Adam y a renoncé depuis longtemps. Salut les amis, désolé pour le retard. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Exactement la même chose qu'à nous. Ouais, tu comprends, entre l'école, notre travail et la lutte contre le roi Mondo, nous n'avons pas eu souvent le temps de dormir depuis des semaines. Au fait, où étais-tu passé? J'ai essayé de te contacter chez toi hier soir et tu n'étais pas là. Eh bien, j'étais parti travailler sur un... Dis-moi, tu es sûr que ça va? Tu n'es pas souffrant? Ah non, 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 je suis un peu fatigué parce que je dois bosser sur un nouveau projet. C'est vrai? C'est quelque chose d'intéressant? Dites, vous avez vu l'heure? Je suis déjà en retard. Il faut que j'y aille. À bientôt. Tu penses qu'il nous cache quelque chose? Très bien, les gars. Une nouvelle cliente, Madame Ford, nous a confié ses biens les plus précieux à garder pendant environ 24 heures. Ses biens les plus précieux, c'est un coffre? Mais non, espèce d'idiot, ce qu'il y a dedans. Alors ne le perdez surtout pas de vue. Vous avez des questions? Oui, monsieur. Qu'y a-t-il dans ce coffre? Tout ce que je sais, c'est que ça n'a pas de prix et que c'est irremplaçable. Faites-nous confiance, patron. On va ouvrir l'œil. Prince Sprocket, ma reine. Oh non, ils sont plongés dans un profond sommeil. Votre Majesté, s'il vous plaît, réveillez-vous. J'apporte des nouvelles très importantes. On t'interdit de perturber mon royal sommeil, mais puisque c'est fait, qu'y a-t-il donc? Vous m'avez l'air encore un peu endormi. Vous êtes sûr d'être bien réveillé? Je crois bientôt fini, oui. Dis-moi ce que tu as à me dire et tais-toi. À vos ordres. Nous avons fini le monstre que vous aviez demandé. On l'a baptisé le Somni-Robot. Excellent travail, ce robot somnifère va plonger tous nos adversaires dans un profond sommeil. Clank, tu m'écoutes? Oui, votre majesté. Mobilise les quadrilles guerriers, lance le Somni-Robot. Il faut profiter de la fatigue des Zero-Rangers. Histoire de les endormir. Si ces idiots croient qu'ils sont fatigués, attendez qu'ils les rencontrent. Je ferais peut-être mieux de m'entraîner. Endors-toi, bébé, dans ton berceau. Écoute le vent souffler. Et réveille-toi, c'est pas drôle, on va s'écraser. Moi, réveille-moi quand on sera arrivé. Endors-toi, bébé, dans ton berceau. Écoute le vent souffler au-dessus des canaux. C'est presque trop facile. Très bien, au revoir les amis. C'était génial. Bon, bah ouais, ouais. Oh, est-ce que Mondo va nous laisser tranquille? Oh. Ouais, ouais, ouais. J'en ai marre. Oh, ça recommence. Oh. Adam. Hein? Oh, il faut y aller. Il s'agit de Somni-Robot, la dernière création de Mondo. Il a le pouvoir d'endormir tous ceux dont il s'approche. C'est exactement ce qu'il nous faudrait en ce moment. Pour le mettre hors d'état de nuire, nous devons modifier ses fréquences. Mais où est Billy? Je suis sûr qu'il sera bientôt là. Mes amis,
Vous devez stopper ce monstre avant qu'il ait endormi toute la ville. Skull, hein? Tu ne dois pas t'endormir. Bonjour, je bosse pour Verrou et compagnie. Je viens pour le coffre. Votre patron m'a demandé de vérifier si ce coffre n'avait pas un petit problème. Il ne nous a pas dit que vous deviez venir vérifier ce coffre. Alors, pourquoi je suis là? Ouais. Très bien. C'est d'accord. Il est là-bas. Entendu. J'ai l'impression que ce coffre présente certaines petites faiblesses. Il doit être rouillé du côté des doufrasques. Oh. C'est quoi les doufrasques? Les doufrasques. Oh, les doufrasques, oui. Bon, je vais l'emporter au magasin. Combien de temps ça va prendre? 22 minutes 15 secondes. Allez-y. Très bien. À tout à l'heure. Encore heureux qu'il soit venu. Sans ça, on aurait dû faire toute cette mission avec un mauvais coffre. Ici les détectives réunis. Oh, salut, monsieur Stone. Patron, oui, tout va bien. Le serrurier vient de passer pour vérifier le coffre et il... Excusez-moi, vous avez bien dit. Mais quel serrurier? Ce type devait être un bandit. J'ai presque terminé. Je vais régler vos zéos fréquences pour qu'elles vous protègent du somnir robot. Mais j'ai besoin de Billy pour faire un dernier calcul. Qu'est-ce qu'il me fait briller? Me voilà, Alpha. Désolé pour le retard. Billy, que s'est-il passé? C'est vrai, qu'est-ce que tu fabriquais? Vous parlerez de ça plus tard. Il faut que vous arrêtiez le somni-robot avant qu'il ne soit trop tard. Ça y est, je crois que c'est prêt. Très bien. Transmutation demandée. Zéo Ranger 1, rouge! Zéo Ranger 2, jaune! Zéo Ranger 3, bleu! Zéo Ranger 4, vert! Zéo Ranger 5, rouge! Détruisez-les! Ça suffit! Somni-robot à toi de jouer! Dormez les rangers dans vos jolis uniformes! Écoutez les oiseaux chanter au-dessus de l'eau! Vous n'êtes pas des hommes! Vous n'êtes pas en forme! Et bientôt, vos pouvoirs seront réduits à zéro! Dormez les rongeurs dans vos jolis uniformes! Il est plus puissant que prévu! Vous pouvez renforcer nos zéos protection! On essaye, Tommy! Dépêchez-vous! Aïe, 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 aïe! Je n'arrive pas à trouver le bon dosage, Billy! Je vais essayer quelque chose. Dis à Tommy et aux autres de s'accrocher, d'accord? Bonne chance, mon dame Megazord! Vous n'êtes plus conscient! Vous rentrez dans le sommeil! Vous dormez! Oui, dormez! Personne t'a invité à voir le grand sommeil! Bien sûr que si! Et je vais te faire perdre de beaux rêves! Je regrette, mais j'ai pas envie de faire la sieste. Et si tu rêves de rouler sur l'or, tu vas être servi. Ah,
Notre somni-robot vient de se faire mettre la pilule. Zéo-Rangeur II commence à m'irriter fortement. Clank, je veux qu'avec Orbus, vous remettiez somni-robot en état de marche. Oui, votre majesté. Tu veux aussi augmenter ses pouvoirs. Je veux qu'il endorme pour toujours ce Ranger doré. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, majesté. Je sais exactement comment on va y arriver. Bon sang, on a eu chaud. Ça, tu peux le dire. Heureusement que le Ranger doré est venu à notre secours. Billy, où est-ce que tu étais? J'ai eu une idée pour accroître vos pouvoirs défensifs, mais avant que j'aie pu la réaliser, vous étiez tiré d'affaire. Je suis content que ce soit fini. Oui, nous aussi. Admirez votre nouveau somni-robot, majesté. Oh, il est encore plus méchant que l'autre papounet. Magnifique, c'en est fini de ces humains. Ils ne pourront plus me mettre de bâton dans les roues. On va retrouver ce que... Sans ça, tout ce pourquoi on a travaillé ne sera plus qu'à souvenir. Hé, toi, rends-toi. Tu croyais tout de même pas que tu allais t'en tirer comme ça. Quelque chose me dit que vous avez besoin de repos. Bulky. Plus tard, tu ne vois pas que je suis en train de l'arrêter. Endors-toi, bébé, dans ton berceau. Quand Somni-Robot chante, les humains déchantent et dorment. Ils dorment comme des bûches, patron. Youhou. Bien joué, Somni-Robot. J'ai l'impression que tu es prêt pour l'opération Sommeil Éternel. Oui. Ce véhicule antique serait parfait pour notre centre opérationnel mobile. Après mon passage, il ne restera pas un humain éveillé à des kilomètres. J'espère que oui, mais allons tout de suite le vérifier. Qui est-il, Zordon? Le roi Mondo n'a pas dit son dernier mot, malheureusement. Regardez le Vista Globe. Dès qu'on l'aura branché sur notre centrale, Somni-Robot sera invincible. Bon sang, il donne le permis à n'importe qui ces temps-ci. Prenons vite les Eocyclojets pour les mettre en état de nuire. Téléportation! Attention surtout! Ça peut être dangereux! Très bien, allons-y! C'était moi! Mais tu n'as pas encore tout vu! Avec mes pouvoirs supplémentaires, je vais tous vous effacer! Qu'est-ce que tu attends pour le faire, Somni-Robot? Que vous soyez prêts! Oui, encore un instant! Orbus, abaisse ce levier! Puissance maximum! Dites-nous bonsoir, les Power Rangers! C'est l'heure de son revoir! Je vais tous vous plonger dans le noir! Encore un petit peu de puissance, et vous dormirez comme des mioches! Non, de petit droïde! Sa chanson somnifère est encore plus forte qu'avant! J'arrive pas à modifier son amplitude. Qu'est-ce qu'on va faire? Clank a dû se brancher sur notre centrale pour renforcer son monstre. Isole une ligne et envoie toute la sauce. Ça fera peut-être un court-circuit. Bonne idée, Billy! Je lance le programme de surtension automatique, mais il va falloir attendre un petit moment que Billy... Où es-tu, Billy? Oh, mais où est-ce qu'il est encore parti? Fermez vite les yeux! C'est l'heure de dormir, pour l'Empire des Machines! Somni-Robot, dépêche-toi! Envoie-le vite au pays des anges éternels! Avec plaisir! Tu as l'air très fatigué, mon petit Ranger! Ferme vite tes paupières! La surtension va avoir lieu dans 3 secondes! 2 secondes! 1 seconde! Ils sont électrocutés! Ils ne peuvent plus rien contre nous! Allons-y! Tant pis, je vais les arrêter avec ma propre énergie! Et mes coqs vont te donner un coup de main! Non!
Cardos, pas vrai en bus. J'en ai bien l'impression. Pour tous les roulements à billes. Encore un petit tour en bus et puis s'en va. C'est pas l'heure de faire dodo. Allez, lève-toi, paresseux. Je vois les choses un peu plus haut maintenant. Préparez-vous à dormir. Zéro force annulé. Lancement super combat zord rouge. En avant, action. Tu vas regretter d'être venu, Somni-Robot. Cette fois-ci, il faut en finir une fois pour toutes. À l'attaque, assemblage Zéo Megazord. Votre coffre est toujours ici. Je reconnais que vous m'avez impressionné. Et pour vous remercier de votre excellent travail, je vais partager avec vous mon bien le plus précieux. Est-ce qu'elle a entendu ça? Nous allons être riches. Oh, qu'est-ce que c'est? Des bijoux, de l'or? Ou simplement des billets de banque? Non, c'est ma recette ultra secrète pour faire d'excellents sandwichs aux œufs et aux épinards. Vous voulez dire qu'on a fait ça? Qu'on a risqué nos vies et notre peau pour... Des sandwichs aux œufs? Ce coffre renferme en fait un réfrigérateur. Tenez, servez-vous. Bon, mauvais. Ça fait du bien d'avoir enfin pu dormir hier soir. Oh, ça, je suis d'accord. Oui. Hey, Billy, maintenant qu'on s'est tous reposés, tu pourrais peut-être nous dire ce qui t'est arrivé ces temps-ci? Non, ce n'est pas la peine. Je crois que j'ai tout compris. Les amis, il n'y a aucun mystère. J'ai seulement travaillé à un nouveau projet. Je vous en parlerai le moment venu. Enfin quoi, réfléchissez. Il est toujours épuisé, mais il ne se bat plus jamais avec nous. Et il était absent à chaque fois qu'on a vu le Ranger doré. S'il te plaît, Billy, admets-le, le Ranger doré, c'est toi. Mais vous croyez tout de même pas que je vous ferai un coup pareil, n'est-ce pas? Il a raison. Je suis très professionnel. Ah bon? Désolé pour le retard, mais j'étais... Enfin, vous voyez. Oh! Très drôle. Eh bien, moi, je trouve pas.